la gamme 4K. Alors la X30, 119 000. En fait, vous enlevez quasiment 2 zéros. Hein. Pour faire simple, ça fait une caméra à 1200 euros. Pas excessivement cher. La XP35, plus jolie, hein, plus massive. Et enfin, la dernière, forcément la plus connue, la X100. C'est une première caméra 4K. Donc là, chez Sony, on l'a eu en environ 150 000. Hein, donc vous enlevez quasiment 2 zéros. Ça vous fait une caméra à 1900. Ce qu'on avait vu, on l'avait vu à 135 000 dans certains magasins, mais pas plus. On va regarder la gamme Pro. Allez, la X100, toujours. Hein. On a vu donc la X100, la même qu'on a vu tout à l'heure, donc bah, quasiment au même prix, forcément. Un petit boîtier 4K, qui peut être plutôt intéressant, en fait. Hein, pour du stockage, hein, regarde, external hard disk, donc c'est simplement un disque dur, hein, dans lequel vous allez pouvoir stocker tout votre 4K. Donc, à mon avis, avec méga capacité de stockage, la VG900, ça prend plus à... Sinon j'aurais envie avec la poignée et tout, c'est vraiment un produit très très sympathique. Bon ben un produit à 3000 euros forcément. Là un modèle plus compact, ah, plus sympathique, un peu moins cher. Celle-là, hop, avec la Nex VG30, très sympa, très joli hein, avec l'optique et tout, vous allez pouvoir changer, vraiment très bien. Maintenant je vais faire un truc de dingue. Voilà, pour montrer un peu la qualité de les stabilisateurs. On met une caméra, donc là, ici, vous voyez, en fait, on les voit bien les deux, ici, avec et sans. Là, vous allez voir les images. Donc là, c'est sans. Et là, c'est avec. Un truc de dingue, c'est quand même la caméra, elle prend cher, hein, quand même. Hein. Donc enfin, vraiment, la stabilisation est vraiment magnifique. Vraiment pas mal. Hein. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver le nom de tout ça, vidéo caméra, ce petit système. Donc ne touchez pas, ça c'est sûr. Et là ça doit être avec ou sans. Une gamme plus complète. Voilà, c'est pour partir en voyage, c'est pas possible. Beaucoup trop grosse pour moi. Donc toujours la X100. Hein. Bon, alors, on a trois fois hein, qu'on la voit la X100. Donc la X100, la AX35, la X30. Ouais, même qu'on a le petit coin des laptops. Le modèle pliable, un Fire Z, enfin un peu le tour. Un Vaio Pro, oh, ils sont magnifiques les Vaio, hein. Il n'y a pas à chier à chaque fois, vraiment. Autant la gamme est pas trop développée hein, nulle part, mais autant au Japon elle est encore bien présente et la gamme Vaio est juste magnifique. Celui-là, je vois un peu les caractéristiques vite fait, mais le Pro 11. Un peu petit, on va essayer de prendre celui-là un peu plus grand. Le Pro en 13 pouces, oh, il est magnifique, hein, vraiment. Très joli, hein, super fin, je vais voir un peu. La palme vira vraiment à celui-là, hein, qui est plus complet. Un Pro 13, caractéristique, ne me demandez pas. Je ne vous dirai pas. Il est beau, il est fin, je vais essayer de le prendre un peu en main. Pas très lourd, il doit faire son kilo. 169 000, donc ça vous fait un prix à 1000, vous en avez 2-0 quasiment. Ah, il est tactile en plus. Ça vous fait un prix à 1700 euros. J'ai essayé de savoir qu'on peut récupérer la TVA avec les produits directement, c'est pas mal. Allez, on va continuer. Maintenant, les smartphones Sony, malgré tout, hein, c'est aussi des smartphones. Alors, la gamme Xperia, la Z3 Compact, avec des modèles un peu en bon, finition plastique, hein, pas glorieux. Ici, donc la série Z3, voilà, on fait toute la gamme et tout hein, directement. Ça va vraiment simplement les tailles qui changent. Ils ont tous le même nom. Là, c'est un S01 et là, un S02. Ouais, S01 et S02, ce qui différencie un petit peu la taille. Bon, les smartphones qui sont. Celui-là, il est joli. Hein. Celui-là, alors, je sais pas, après, bon, à mon avis, smartphone que j'ai déjà dû voir en Europe, à mon avis, 20 fois. Mais celui-là est joli, en aluminium et tout, forcément, c'est la tendance. Ici. Ouais, très sympa. Hein. Très sympa. Ici, donc on va mettre la carte SIM. Le dessus en aluminium, non, il prend bien. Bon, ça vaut. Je vous le sors pas, mais ça vaut un Galaxy S6 sans trop de problème. Est-ce qu'on peut voir le prix? Non, pour le prix, il faudra attendre un petit peu. Vous allez voir en haut. On prend la gamme tablette. Alors, la Z3, la tablette compacte, qui est juste pareil, hein, qui est dans la même gamme, hein, c'est la même finition.
voir, vous voyez, en aluminium comme ça dessus, très joli, hein, vraiment, ça reprend le même design que la tablette, que le téléphone, et plutôt classe, hein. On va essayer de prendre là-bas un petit peu, on continue, donc la Z3 tablette encore une fois, donc là on change simplement la couleur. Alors, des produits très sympas, hein. Très très bien finis, très fin, oh, on dirait un gros téléphone et tout, très joli, hein. Allez, on fait un petit tour du côté des montres, parce que Sony est sur une montre. Alors, le bracelet connecté, un smartband, bon, juste en plastique, hein, plutôt classique. Alors, je m'excuse pour la lumière, mais je me rends compte que ça clignote vachement, ça doit être assez désagréable. Ici, donc le même, ben, je parle, il va le remettre dessus. Maintenant qu'il l'a enlevé, on va mettre là un équilibre, voilà. Donc le même, bon, avec les capteurs et tout, donc là, bon, c'est un truc factice, donc... Ah, non, ben non, il n'est pas factice, ce patch. Ben non, il n'est pas factice, en fait, c'est un vrai, hein. Un aiguilling, c'est pas mal, hein, ça marche plutôt bien. On a quoi, le smart bain de talk, donc là c'est le 10, hein, vous voyez, on a soit le 10, le dé classique juste avec rien dessus, et j'ai appuyé dessus, ça, autant je suis mauvaise langue, autant il va y avoir de l'affichage derrière. Oui, il n'y a peut-être plus de batterie, ça se peut. Non, là, il est plutôt sympa, hein, celui-là. Bien, vous voyez, on a le nombre, on a l'heure, le nombre de pas et tout. De calories, alors, ça tient pas génial. Montre, alors la Smart, bon, la Smartwatch 2, qui est un modèle qui est plutôt connu et maintenant je pense vraiment éprouvé. Non, mais je pense qu'avec une main, je vais pas y arriver. Je vais arriver à tout mettre en bordel. Alors, par contre, on voit super bien sur les montres, hein, c'est un truc de dingue. Vous voyez, avec ce ink dessus là, je vais mettre là comme ça, dessus. Quand on allume et tout, très joli, hein, très joli. En plus, c'est assez réactif. Donc ça, bon, c'est un modèle qui est connu maintenant en Europe, je pense. Vous vous rendez pas compte, mais je bataille comme un dingue pour le remettre sur son support. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est celle-là. Parce que celle-là, ça donne vraiment des faux airs de Apple Watch. Et j'aime beaucoup le design, comme ça, en monobloc. Ici, on clique dessus, donc là, avec du ink, toujours. Comme ça. Comment je vais pouvoir accéder dans le truc? Tac. Quoi, ok Google, ah d'accord, essayer de descendre, voilà, on a un peu plus de menu, on va descendre, on a accès à Google directement, on va revenir sur la droite vers la gauche, ah, des accès rapides qui sont plutôt pratiques, hein. Elle est super jolie celle-là, en plus elle marche super bien, et il faut que je mette devant, les mecs vont dire on voit rien, je vais te parler, parce que j'aurai de la montre en même temps, ah voilà, ils sont là les réglages. Et par hasard, par un hasard d'inadvertance. Bon là, avec les reflets, c'est peut-être pas le top. Mais oh, c'est très très sympa, hein, cette petite montre. Donc là, c'est la Smartwatch 3, ici, qu'on retrouve ici, déclinée en couleur. Bon, je vais voir quand même la manette un peu là-bas. On est chez Sony, ils ont le droit. Hein. Ils ont le droit de faire des manettes un peu comme la PlayStation. Alors, la SR510, donc là, plutôt une version rose. Normalement, on doit pouvoir changer, ça doit pouvoir se déclipser tout ça là. Dedans, vous voyez, pour pouvoir le mettre dans les bracelets. SR50, non, moi, oui, c'est l'accessoire. La 50 et celle en métal aussi qui est plutôt jolie, assez sympathique. Allez, on va continuer, encore un étage. Venir chez Sony aussi au Japon, c'est aussi un peu voir les trucs qu'on n'est pas censé voir ailleurs, des modèles comme là. Alors, c'est marqué, vous voyez, nouveaux produits. En fait, c'est des produits qui sont pas encore sortis, qui vont arriver. Donc, la KJ43X 8500C. Là, vous voyez la proportion, un téléviseur 16:9 et tout. Forcément, un téléviseur en 4K. Ici, bon, avec une résolution, voilà quoi, c'est des petites résolutions qui sont relativement sympathiques. Elle me tourne autour, non pas pour me tourner autour, mais juste pour pas être sur la vidéo. Bah, c'est joli quoi, après voilà, donc ça là elle est en 4K et ça là en HD. Bon, forcément vous ne verrez pas trop la différence, vu que ma caméra elle filmera juste en HD en 720p, hein, pour éviter de garder pour gagner un petit peu de la place. C'est sympathique, hein, c'est très très sympathique. On a un rendu, de toute façon on a une profondeur avec 4K qui est insuffisable et elle a tout fait tomber. Voilà. On va faire un petit tour vêtement des télés pour regarder un petit peu ce que vous avez. Alors ici, haute résolution audio, de toute façon on le voit avec les haut-parleurs sur le côté. Ici, un télé peut-être un peu plus grand avec la barre de son en bas, sympathique. Des grosses barres de son aussi. Je sais pas si vous allez tout voir, si ça va tout rentrer. Là c'est bien. Heureusement, je filme avec ma caméra Blody, c'est une Sony. Donc ça passe plutôt bien, même si c'est pas la meilleure caméra du monde, mais ça filme pas mal. Et ensuite là on revient ici avec une gamme de télé. Voilà, donc ça, tout ça c'est des nouveaux produits en fait. Vous pouvez voir déjà qu'ici. Donc la 48W700C.
pas mal. On continue. Alors, KJ, petite Sony, hein, toujours des petites télé Sony, très sympathique. Voilà, elles sont là, les descriptifs. Ah, j'ai même pas vu, ça se trouve, c'était marqué en bas. J'ai passé mon truc, et là, Android TV. Donc là, on a plutôt un modèle, oui, Android. Ici, alors, la W870, voilà, qui aura le mérite de tourner sous Android. Allez, on va continuer un peu plus haut. Allez, la 4K, c'est aussi l'occasion d'en prendre plein les mirettes, avec un écran, voilà, quoi. Je veux dire, je fais voir un peu les canapés ici, avec les deux enceintes, là, sur le côté, et l'écran qui est juste, qui est lui tout seul, atomique, quoi. Il mettra tout le monde d'accord. Alors pendant ce temps-là, moi je vais tomber en panne de batterie bientôt. Non, la taille est démentielle, vraiment. Je sais pas quelle taille il fait, mais c'est vraiment super balèze. Un truc que de dingue. Allez, me voilà équipé de ma batterie Xiaomi sur le dessous. Alors ça fait un modèle qui est balèze. Mais ça se tient, hein, ça se tient ici. Donc on va attaquer les nouveaux modèles ici, donc le nouveau produit qui sont là, avec un téléviseur en 4K qui est voilà quoi. Je vais voir un petit peu. Donc X9400, X9300, haute résolution audio. Avec un menu plutôt complet, hein, vous voyez, on peut régler un petit peu tous les périphériques. Bon, c'est toujours pareil, quand vous avez du Sony, vous pouvez mettre un peu de tout. La taille est démentielle, vraiment. Ça fait des télés qui sont, enfin, ou des écrans comme vous voudrez, mais qui sont juste magnifiques. On va aller voir un petit peu la fiche dessous, ici. Voilà, donc 192, donc 2 mètres par 1 mètre, hein, voilà quoi. Vous prenez la diagonale, A carré plus B carré égale C au carré, voilà, vous ferez la somme de tout ça. Mais on a un écran qui est juste, voilà, là je veux dire, dans la maison, tout de suite. En plus c'est bien parce qu'il y a le son intégré. Donc ça fait quand même quelque chose qui est plutôt joli. On va regarder un petit peu, on a du côté un petit peu de la projection. Avec un meuble, voilà, les meubles les plus intéressants que vous pouvez voir. Alors, j'essaie de vous trouver, j'espère que je peux trouver le descriptif de tout ça. C'est une espèce de nouveau projecteur en fait, qui sont intégrés dans le meuble, ici. Alors, c'est assez populaire, après est-ce que c'est bien populaire avec Sony? Non. Le projecteur est ici. Vous voyez, on le voit bien, c'est pas évident, mais ça permet d'avoir une projection en fait, sans recul. Puis comme moi, vous avez un projecteur et il faut le mettre derrière et tout, toujours un petit peu moche. Et ben là, c'est plutôt pratique. On va essayer d'aller voir un petit peu dessus ce qui se met dans la pénombre. Alors, j'espère que vous allez voir ici. Donc là, donc c'est un W1S. Donc le prix, voilà, vous enlevez 2-0 et ça fait 50 000 euros. C'est à peu près, pourquoi pas. Mais vous avez le meuble avec, puis il y a le son, il y a le meuble, il y a le son. Et bon, il n'y a pas le mur blanc, mais ça, vous pourrez l'acheter séparément. Bon, en fait, à la base, je voulais juste faire quelques vidéos pour faire voir un peu les produits, en fait. Là, du coup, je m'attarde sur tous les stands. Ah, il y a des stands qui sont magnifiques. Un casque haute résolution, audio, bien sûr. Donc là, en fait, il y a le casque plus le décodeur, hein, qui va, à mon avis, permettre de décoder un petit peu tous les formats, notamment en FLAC et tout ce qui va bien. Alors après, le plus compliqué pour vous, ça sera de trouver les sources. Mais là, on a des produits quand même très 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 sympas. Super, moi j'adore les chaînes IFI et tout, c'est un truc de dingue. Là, donc là, un enregistreur, là aussi. Ici, on va regarder un petit peu la gamme de casques. Téléphone. Ouais, une grosse gamme de casques audio. Ici, voilà, donc des casques, on va toujours pareil. Hein. Et vous avez directement l'enregistreur ici, l'audio, bon, le décodeur. Hein. Un bel ampli. Belle ampli sympathique. Alors bon, forcément c'est pas trop mon créneau non plus. Les enceintes theater room interdites pour rentrer. Ici on continue. Beaux appareils, hein. Voilà, les connectiques, le truc de dingue pour mettre sur pour mettre sur un smartphone, un truc de fou. Allez, on va continuer, on va aller voir l'autre partie des casques. Mais après ils nous ont promis qu'au l'étage numéro 8 il y aurait des trucs vachement plus intéressants. Je vais pas vous faire tous les casques, c'est pas non plus incroyable. Allez, je vais maintenant faire un peu ici pour faire voir ce produit-là. Ça, c'est super cool. En fait, c'est une espèce de manche-disque. Hein. Vous mettez votre CD dedans et ça vous fait un haut-parleur portable qui est plutôt sympathique. Je regarde s'il n'y a pas de connectique derrière. Non. Ouais, d'ailleurs, une prise USB certainement. On va regarder un petit peu. On peut y avoir accès derrière. Alors, on a l'antenne. On a l'antenne pour la radio. La prise USB. La prise casque. Ça, je ne sais pas trop.
Mais ça fait les mantises qui sont assez sympathiques. En fait, c'est vraiment le design. Vous mettez votre disque dessus, vous voyez comme on voit là. Et après, vous pourrez profiter un peu du son. Ah, c'est sympa. Un rétro, mais sympa. Cette caméra que j'ai trouvée pour les reportages, ça serait plutôt sympathique. Hein, elle est bien, elle est compacte et tout. Bon, après, les lentilles, ça fait un peu balèze, mais ça fait une jolie bête. Alors, on finira cette partie-là en fait par les vêtements. Ouais, les vêtements Sony. Pourquoi pas, en fait, il y a une gamme de vêtements plutôt jolie. Si on continue. Pourquoi pas. Bon, c'est des vêtements, après, je suis pas exceptionnellement fan, mais pourquoi pas. Ah, je fais 24, parce que là, vraiment, même moi, ça m'a scié, en fait. Ce casque-là, en fait, il vibre. En fait, il y a un vibreur dedans. En fait, quand il y a, je vois qu'il y a une grave, il y a des graves. En plus des graves, en fait, le haut-parleur, enfin, l'armature du casque vibre. Donc, du coup, c'est juste incroyable, en fait, quand vous l'avez à l'oreille. Donc, le prix, vous enlevez 2€. Oh, pas excessivement cher. Hein. Après, j'espère que c'est celui-là. Ça vous fait un truc à 100€. Pas mal, hein. En plus, ça vibre et tout, sympa. Là, on a la partie hors-taxe. Bon, si vous aimez un peu la musique haute résolution. Alors, le lecteur MP3 pour 800€, 700 et quelques, hein. Je convertis vite fait, hein, en fait. Vous enlevez 2€, on permet d'avoir à peu près une alenture, savoir si c'est, vous avez le budget ou pas. Là, on est plutôt sur du 300€ pour le casque haute fidélité. Très très bon son, hein. Je l'ai essayé, il vaut vraiment le coup. Et enfin, un des moins chers, ce sera celui-là, avec un prix à 150€, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, attention dans l'ascenseur, on va au 8ème. Si vous n'arrivez pas à voir les boutons, ils sont là. Je vais avoir ma main à côté. 5, c'est pas bon. 5. Non. Les boutons sont juste énormes. C'est très très drôle. Par contre, les ascenseurs font très hôpitaux. Fermeture. Alors, on va regarder un petit peu le design. Sony Making Modern Design. Allez, nous voilà dans le Sony. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Le Making Modern. Le design, en fait, bah, un peu, ça va retracer un peu toute l'histoire de Sony. Alors, ça peut être intéressant. On va attaquer le mini disque. J'en ai eu un, je peux vous dire, le Bader cassette, le Walkman, la télé, ça je ne sais pas ce que c'est, ça non plus. C'est bien, c'est que une partie de nos membres en fait vont le savoir eux. Alors 1972, premier téléphone, sympathique, la radio, un récepteur FM, la classe. Ça doit être lecteur de diapositive, je me rappelle un peu, j'ai connu ça, télé, Sony, j'en ai réparé des comme ça, c'est le pire. Ça serait pas pour de vrai. Alors ensuite, le Walkman. Ceci, alors le Walkman, mais bon, quelqu'un a étanche. On fait le tour. Lecteur CD là-bas en 1984. Sympa. Personnel computer, un clavier. Alors, un stéréo cassette player. First Sony, donc là c'est premier baladeur en fait, hein, les petits, baladeur portable, le casque, 1988, le premier casque audio, la caméra, waouh, on dirait la mienne, digital, donc la première caméra, ici, c'est la caméra, le premier casque, 97, ordinateur portable, compact disque, 1999, la veille de l'an 2000, Aibo. Le chien en fait, ça valait 10 000 francs à l'époque, c'était un truc de dingue. Pourquoi pas, les premiers robots en 2003 et enfin en 2005, le Linear PC Recorder. PCM, un enregistrement audio, haute qualité. On va faire un peu le tour des robots. Classe. Avec l'Entertainment Robots. Un tour d'horizon avant de vous faire la vidéo de fin en flattant un peu l'ego avec le smartphone, le Z3, ça, le Digital Music Player. Donc là, c'est pour de la musique haute définition. Hein. Vous mettrez sur pause les écouteurs. Donc c'est rigolo, c'est les morts de rire 27. Hein. Si vous rappellerez à vie. Un appareil photo auquel vous pouvez changer l'optique, c'est pas mal. La PS3, forcément. La PS4 surtout. Il n'est pas gamer, les gars. La manette, DualShock, avec la nouvelle manette avec le double pad. Enfin, une caméra professionnelle, voilà, pour le reportage du JT Geek. Voilà, si vous voulez vous cotiser, c'est celle-là. C'est sympa, avec le zoom dessus. Pas mal. Et enfin, on finira bien sûr avec la télé, qu'on a vu en bas, la plus jolie. Ici.
ici, LCD TV. La classe. Très joli, très joli. Regarde un petit peu la vidéo là-bas, ce qu'il nous propose. Je vais voir un petit peu la fin. Forcément, on va reprendre une petite rétrospective en fait de tous les produits hein, qu'on a vus précédemment. Avec des jolis petits plans, des jolis petits zooms avec des meilleures caméras. Très sympa. Une belle expo, hein, sympathique comme ça. Bon, étant donné qu'on était à Tokyo, ce serait dommage de pas venir là. Allez, on continue la visite et on va, je sais pas ce que vous faire voir après, mais on sait jamais.